Bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vais dire bonjour aux personnes qui ont déjà mis un petit mot dans le chat et je dis Yossi, bonjour, j'espère que vous allez bien. Hassania est là aussi, Luciana, Moribé est là. Nancy, bonjour, bonjour. Allo Kaïsa, bonjour. Omar, comment allez-vous? Mélissa Madrid est là. Stardust est là. Nous espérons que Stardust va mieux. J'espère que vous n'avez pas mal. Prenez des médicaments, relaxez-vous. Mélissa Madrid est là. Andrea est avec nous aussi. Hilary Owell, bonjour. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Alors attendez, Monique est là aussi. Roman est là, Victoria Posse. Bickert, Mercurial Man, Sundar, Equivanished aussi. Sophia X est là de retour. Vouslat aussi. Nariman, coucou. Mano, pardon. Paola est là aussi, Bombi Lover est là, Nora, Julian et Olga Ruiz, Mohamed aussi. Allez, on va commencer si vous voulez bien. Et Julia est là, quelle boisson pour ce soir? Alors, c'était une boisson que j'ai volée à Yasmine. Je crois que ce sont des fruits exotiques. Je pense que c'est une boisson aux fruits exotiques sans alcool, bien sûr. Sandra Walsh, coucou. Allez, on va attaquer si vous voulez bien. N'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton like, ce serait très très gentil. Merci beaucoup. Allez, à vous la parole, à vous la parole. Les premiers mots que je dis quand je me lève. Quels sont les premiers mots que vous dites quand vous vous levez? Alors, ça peut être une phrase si vous voulez, ça peut être juste des mots, ça dépend. Quand vous vous levez le matin, quels sont les premiers mots qui vous viennent? Vous avez une minute, allez-y s'il vous plaît. Alors, c'est Sophia X qui commence et qui dit fatigue. Alors, est-ce que c'est fatigue ou est-ce que c'est fatigué? C'est-à-dire, est-ce que c'est le substantif ou est-ce que c'est l'adjectif? Ça, c'est une bonne question. Julia qui dit, mais je suis où? Ça peut arriver des fois. On dit, hein? Ah oui, c'est la maison.
Paula, je vais nous préparer le café. Très bien. Et Paula, elle prépare le café pour d'autres personnes. Je dis bravo, Paula. Lucien Amoride, courage. Nariman nous rejoint. Bonjour. Cheryline, bonjour. Sophia X, je ne peux pas me lever. Oui, c'est un grand classique. Ça, c'est mon fils. Nicolas me le dit souvent. Oh non, pas ce matin. Yossi, bonjour à mon épouse. Yossi est un gentleman. Nous le savons tous. Il dit bonjour. Bonjour à son épouse, bravo Yossi. Mélissa Madrid, j'ai fait un rêve. Ah, vous vous souvenez? Moi, des fois, je ne me souviens pas toujours de mes rêves. Andrea, un autre jour d'école. Ah, c'est ça, oui. Et puis après, mais pourquoi je dois aller à l'école? Pourquoi? Monique, j'ai besoin d'un café. Eh oui. YCM, bonjour à vous. Olga, merci Dieu pour cette nouvelle journée. Ah ben voilà, Olga, elle est très positive. Et ça, c'est très bien, Olga. Bravo. Et Kouvanich qui dit, la vie continue. Une sorte de répétition comme ça. Une répétition chaque jour. C'est vrai que la vie continue finalement. Même si c'est difficile, la vie continue. Ensuite, Hillary qui dit les premiers mots que je dis quand je me lève, c'est je dois me lever. Eh oui, c'est la bonne motivation, hein. Allo Kaïsa qui nous dit prends une douche. Ah, donc ça, c'est intéressant. Il y a des gens qui prennent des douches le matin, d'autres le soir. On en avait parlé, hein. Vous, c'est le matin, d'accord. Romande, les premiers mots que je dis au réveil, quelle heure est-il? Avec, non, ça n'existe plus les montres. Maintenant, c'est avec le téléphone. Stardust, un nouveau jour commence. Eh oui, une grande philosophe. Sundar, prendre une douche aussi. Omar qui dit, je suis en vie. Eh oui, c'est vrai que finalement, ben c'est déjà merveilleux de pouvoir se réveiller. Victoria Jacques, bonjour, bonjour Ice Cubes ou bonsoir. Cosmina Bellou, les premiers mots que je dis quand je me lève sont Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Alors il y a une chanson comme ça, hein, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, gratte-moi la puce que j'ai dans le dos, etc. Victoria Possé, quand je me lève, je dis bonjour Victoria à moi-même. Victoria est très polie avec elle-même aussi. Vous vous regardez dans le miroir et vous vous saluez. Eh bien, ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Mercurial Man, c'était un mauvais rêve. Bickert, je dis, je veux dormir 30 minutes de plus. Bickert, une adepte du snooze, le fameux snooze, qui est une erreur. Karina, bonjour. Victoria, Jacques, j'ai besoin d'une sieste dès le départ. Oui, c'est ça, c'est. Mais je crois que c'était dans un épisode de Seinfeld où George dit, quand je me réveille, la première chose à laquelle je pense, c'est à quelle heure je vais faire la sieste. Rihanna, bonjour, je suis en retard, ce n'est pas grave. Danilo, bonjour aussi. Cheryline, quelle heure est-il? En espérant que je ne serai pas en retard. Ben oui, c'est pas sérieux d'arriver en retard. Manoj, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et Ice Cube, ce qui nous dit, ce n'est pas un mot, mais une action pour arrêter l'alarme. Effectivement. Melody Hall, bonjour, bonjour, vous pouvez participer et nous espérons que vous allez tous bien. Alors, vous êtes 79 pour le moment, 80. N'oubliez pas que si vous cliquez tous, eh ben, on arrivera déjà à 80. Mon objectif, c'est bien sûr 100 likes. Ce serait pas mal, et spécialement pour un jour aussi magnifique qu'aujourd'hui. Et là, je m'adresse à Victoria Jacques. Si vous avez regardé la télé, c'était délicieux ce moment incroyable. Allez, vous le savez, chaque fois, peut-être, presque, et peut-être pour les fois prochaines, ce sera comme ça, nous essayons de voir le français familier ou très familier. C'est important de connaître ces mots, ces expressions. Mais comme d'habitude, je le dis, faites
très très attention, ne les utilisez pas si le contexte ou les personnes ne se prêtent pas à l'utilisation de ce registre de langue. Ça peut être un petit peu compliqué après. Alors, la première chose, c'est chamé. Chamé, c'est du verlan. C'est le verlan de méchant, d'accord ? Et en fait, la signification, dans la plupart des cas, c'est pour dire que quelque chose est impressionnant ou quelque chose est super. Quelque chose que vous appréciez vraiment, vous allez dire que c'est chamé. Alors, regardez, premier exemple, il y en a qu'un d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un. L'exemple, t'as écouté le dernier titre de Julien Doré, c'est chamé, je te jure. Tu as écouté le dernier titre, donc qu'est-ce que tu as écouté, la dernière chanson, le dernier titre de Julien Doré, c'est un artiste que je vous recommande. C'est chamé, c'est bien, c'est super, c'est formidable. Je te jure, je t'assure. D'accord, Cassandra, bonjour. Allez, on attaque. Donnez-moi une phrase avec chamé, s'il vous plaît. Allez, c'est Yossi qui attaque et qui nous dit « Ce film, il est trop chamé !» Je dis bravo, Yossi. Je dis bravo parce que là, Yossi, vous parlez comme un jeune et ça fait du bien. Alors, attendez, je regarde. Bickert, vos cours sont tellement chamés comme d'habitude. Ah, ou votre cours. Attendez, vos cours sont... Hein, Bickert, on va le mettre au... On va le mettre au pluriel quand même, notre verbe, ce serait pas mal. Paula qui dit « Le verlan en soi est chamé ». Nariman, « Le plat d'aujourd'hui est chamé ». Ce serait intéressant de savoir quel plat vous avez mangé, Nariman. Je serais très intéressé. Allez, Sophia X qui dit « La série 10% est pas mal chamé ». Ouais, c'est vrai qu'elle est sympa cette série, hein. Elle est vraiment très très sympa. Mousta, j'ai chamé les jours des examens. On ne l'utilise pas vraiment comme un verbe, Mousta. Donc ce serait un petit peu bizarre votre phrase. Yulia, hier, on est arrivé à 100 likes et ça, c'est chamé. Et ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui aussi, s'il vous plaît, cliquez sur les likes, s'il vous plaît. Soyez gentils avec moi. Sinon, je vais être triste. Omar qui nous dit la série Le Lapin est chamé avec Omar Sy. C'est une garantie. Ah, Lupin! Omar, attention. Attention, Omar. Lupin, c'est le voleur. Et lapin, c'est l'animal. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Une sacrée chanson. Victoria Possé, c'est chamé la quantité de neige tombée. Sundar, les leçons de Vincent sont chamées. Merci beaucoup, Sundar. Luciana, est-ce que tu vas regarder cette série chamée, hein, on va le mettre après. Mercurialman, j'adore Londres, cette ville est chamée. Ouais. Mercurialman, chamé, c'est un adjectif, donc vous allez mettre le féminin à chamé aussi. Hein. C'est du français parlé, mais on doit respecter les règles grammaticales quand même. Un minimum de cohérence dans la vie, c'est nécessaire, sinon on ne sait pas où on va. Vouslat, j'ai essayé une nouvelle recette de gâteau. Le gâteau que j'ai fait est chamé. Très bien. Hilary Howell qui dit « Le dîner était chamé ». Très bien. Melody Hall, « Le repas de l'hôtel est chamé ». Eh oui. Roman, « Je suis très chamé par la façon dont elle parle et fait les choses ». Oui, ça sonne un petit peu bizarre. Assoumit, « Le déjeuner était chamé », on pourrait dire. Olga, « Cette journée est très chamée ». Ouais, pourquoi pas. Stardust, voyager dans d'autres pays est chamé. Ouais. Equivanish, la musique classique est chamée. Et ça, c'est vrai. Cosmina qui nous dit, ce garçon a parlé quand il avait 6 mois.
Il a fini le lycée à 11 balais. Il a été docteur à partir de 16 berges et est devenu millionnaire quand il avait 25 piges. Bravo! Son parcours est vraiment chambé, ça c'est vrai. Et puis félicitations pour, eh bien, tous les synonymes, hein, pour le an ou année. Manoj, il est tombé sur la neige, donc il est chambé. Un petit peu bizarre. Ensuite, je regarde Ice Cubes. Y a-t-il une autre série en français comme Lupin ? Lupin était chambé, mais j'ai tout fini. Ice Cubes, 10%. 10%, c'est vraiment bien. Je crois que sur Netflix, ça s'appelle Call My Agent. Ça doit être quelque chose comme ça. Et ça, c'est chambé. Allez, eh bien, ça c'est une grolle. Qu'est-ce qu'une grolle ? Ça c'est une bonne question. Vous voyez que c'est un substantif, c'est féminin. Et une grolle, c'est une chaussure. Une chaussure, ça c'est un mot qui existe dans le français parlé depuis assez longtemps. Ne l'utilisez pas dans toutes les situations. Hein, utilisez-le si vous vraiment vous savez que vous pouvez l'utiliser. Exemple, il y a ma grolle qui a un trou. Faut que j'en achète des nouvelles. Tiens, pourquoi il y a une majuscule ici ? On n'a pas besoin de majuscule. Poum. Alors, il y a ma grolle qui a un trou. Il y a ma chaussure qui a un trou. Hein, je vous fais toutes les modifications. Faut que j'en achète. Il faut que j'en achète des nouvelles. Donc, il y a ma grolle qui a un trou, faut que j'en achète des nouvelles. S'il vous plaît, une petite phrase avec une grolle. Merci. Alors, je regarde et c'est Nariman qui commence avec, c'est des grolles pour l'hiver. Des grosses grolles peut-être, au pluriel, merci. Sundar, je suis tellement fatigué aujourd'hui, je veux dormir. Maintenant, je rejoindrai demain. Ah d'accord, c'est pas les... Sundar est fatigué, que se passe-t-il, Sundar ? Il faut se reposer, bonne nuit, Sundar. Paula, je garde mon fric dans une grolle. C'est vrai ? C'est intéressant ça. Au fond de la chaussure. Mousta, la grolle de Mustapha, elles sont très pourries. Attention, pourries, c'est pas comme ça que ça s'écrit. I-E-S à la fin. I, version basique. E, parce que grolle, c'est féminin. S, parce que c'est pluriel. Mousta, je l'ai fait. Monique, j'ai beaucoup de grolle. Oui, au pluriel, hein, parce que vous en avez probablement pas mal. Vouslat, ma grolle me serre le pied, très bien écrit. Houmet, bonjour, bonjour, participez, c'est du français familier. Omar, avoir une bonne grolle, c'est fantastique pour les pieds. Il a raison, Omar, la voix de la raison, Omar. Mélissa, il avait un trou dans ses grolles, et ça c'est terrible. L'eau rentre et on a le pied tout mouillé. Hillary qui nous dit, je ne trouve pas mes grolles. Où sont-elles ? Probablement sous le lit. Yossi, il change de fille comme de grolles. Et ça, c'est pas bien. Luciana, cette grolle est trop vieille. Victoria Bossé, j'ai dû changer mes grolles à cause de la pluie. Ben oui, il faut des grolles qui supportent la pluie et l'eau. Sophia X, mon petit village de 10 millions, oui, d'accord, est connu à cause de ses produits de grolles, d'accord. Olga qui nous dit, j'aime ma grolle. Tranquille. Bickert, ma grolle de sport est tachée un petit peu. J'ai besoin de nouvelles chaussures ou de nouvelles grolles si vous préférez. Est-ce que c'est tout pour grolle ? Je ne sais pas. Allez, nous allons passer au suivant si vous voulez.
Alors, le troisième, c'est un verbe, et le verbe, c'est halluciner. Alors, halluciner, faites attention, puisque quand on l'utilise hein, dans le registre familier, on ne parle pas d'hallucination, bien sûr, mais on l'utilise comme synonyme de être très surpris ou surprise, ou être étonné. Vous êtes étonné, vous êtes surpris, vous dites « Oh, j'hallucine !» Alors, regardons ensemble, bah, écoutez, « j'hallucine !» T'as vu quand même comment elle m'a parlé? Donc je suis vraiment surpris et même un peu choqué peut-être. Est-ce que tu as vu la façon dont elle m'a parlé, c'est-à-dire comment elle s'est adressée à moi? Allez, s'il vous plaît, une phrase avec halluciné. Alors en attendant vos phrases, n'oubliez pas que vous êtes 90 et que vous pouvez cliquer sur j'aime, aimez-moi, ça me fera du bien et ça me changera un peu, merci. Alors je ne sais pas, les gens prennent leur temps pour écrire des belles phrases, j'espère. Victoria Posse, la première, et elle dit « Hier, j'ai halluciné en regardant le film en français ». Bravo Victoria Posse, vous regardez des films en français, c'est bien. Stardust qui nous dit « J'hallucine quand j'ai une rêverie ». D'accord. Ah mais Stardust, vous pouvez écrire alors ? Hier, vous ne pouviez pas écrire. Attention, Stardust, il ne faut pas se faire mal. Equivanished, quand je regarde la nature, j'hallucine. Melody Hall, j'hallucine que mon ami est mon copain. Oui, Julia, j'hallucine où le Covid a disparu soudainement. Ah, ben je ne sais pas où vous êtes. Hein. Je ne sais pas où vous êtes, mais il n'a pas disparu partout. Yossi qui nous dit, elle hallucine d'avoir acheté, attention Yossi, avoir acheté, accent aigu, c'est un infinitif passé, d'avoir acheté une nouvelle maison, d'accord. Hilary Howell, j'ai halluciné quand j'ai trouvé de l'argent dans ma grolle. Encore ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe avec l'argent dans les grolles ? C'est un petit peu étrange. Yesero, la fille a halluciné en regardant son ancien petit ami embrasser l'autre fille. Ah ben voilà, c'est comme ça, c'est terrible. Vouslat, la façon dont elle chante cette chanson m'hallucine. Ouais, c'est un petit peu étrange, mais bon, je suis halluciné par la façon. Ice Cubes, j'aime les nouvelles grolles que j'ai achetées. Ah, Ice Cubes est toujours dans les grolles. Mercurial Man, quand il a vu le nombre de likes, il a été halluciné. Mai, j'hallucine que la grolle de ma fille est trop chambée. Ouh, Mai commence à faire des, des combinaisons. Pas la vie, j'hallucine comment elle gère sa vie. Eh oui. Allo Kaïsa, j'hallucine que plusieurs personnes sont mortes à cause du Covid. Paula, on n'a pas encore trouvé la bonne solution pour sortir de cette pandémie. Roman qui nous dit « J'ai halluciné quand elle a dit qu'elle pouvait encore me renvoyer de mon travail. » Bickert, mon mari, ah non, son mari, lui hallucine souvent en offrant des cadeaux plus chers. Ah oui, c'est un petit peu étrange. Dans ce contexte-là, c'est un petit peu étrange. Sophia X, j'hallucine qu'Elon Musk est le plus riche au monde, c'est vrai. Omar, j'hallucine comme les gens peuvent croire aux personnes toxiques, comme qu'un homme qui déménage aujourd'hui. D'accord. Luciana, j'ai halluciné avec qui elle débattait hier. YCM, j'hallucine, je pourrais parler un peu français, ben, c'est bien. Mélissa, on a joué toute la journée, maintenant mon fils veut qu'on joue un peu plus,
J'hallucine. Oui, c'est toujours un petit peu plus, un petit peu plus. Stardust qui nous explique. Ah, vous tapez avec un doigt. Ah, mais ça va. Avec un doigt, ça va. Si c'est avec le nez, ça va être compliqué. C'est pas pratique avec le nez. Allez, n'oubliez pas de cliquer. Vous êtes 100. Vous êtes 100, s'il vous plaît. 100. Tout le monde clique. Poum, c'est réglé. La question du jour, la question du jour. Est-ce que vous lisez, écoutez ou regardez les informations tous les jours? Et pourquoi? D'accord? Donc la question, c'est est-ce que vous regardez, est-ce que vous lisez, est-ce que vous écoutez les informations, les actualités, tous les jours et surtout pourquoi? Allez-y, une phrase. Alors, Seiji, this lesson is only in French, d'accord? So, I'm not using English at all. And the advice that I give to people is to open a dictionary at the same time so we can focus on the exercises, d'accord? So, have a look at the translation in an online dictionary and it will be faster. Alors, c'est Nariman qui commence. Oh, Nariman, vous avez... Non, Nariman, je voulais lire. Et hop, ça a disparu. Allez, Yesero nous dit, oui, je regarde les informations tous les jours sur YouTube et à la télé. Est-ce que vous êtes le seul à répondre ? Allez, Paula nous dit « Oui, j'écoute plusieurs émissions sur France Culture tous les jours pour me prévenir d'être halluciné, pour empêcher d'être halluciné. » Comme ça, vous contrôlez la situation. Pas de surprise. Cosmina qui nous dit « Je regarde, j'écoute et je lis les actualités presque tous les jours parce que j'aime être bien informé et en plus, je suis assez curieuse. Monique, oui, tous les jours, car j'aime être informée. Nariman, finalement. Oui, je les écoute parce que c'est très intéressant pour moi. Yulia, je lis les informations tous les jours pour savoir les nouvelles règles du Covid. Eh oui. Joseph, j'écoute la radio France Info pour améliorer mon oral de français. Hillary qui nous dit, je lis les informations en ligne parce que je veux les lire quand j'ai le temps. Eh ben oui. Omar, je lis et écoute les informations tous les jours en français parce que je crois que c'est bon pour apprendre la langue. Et je suis d'accord, Omar. Encore une fois, je suis d'accord avec vous. Stardust, je reçois mes informations sur Internet. Je ne regarde pas la télé et je ne possède pas la radio ou de radio. Yossi, il faut savoir ce qui se passe dans le monde, c'est vrai. Mercurialman qui nous dit YouTube parce que c'est très crédible. Ironie. Ah, c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est... il faut rire dans la vie. Il faut rire de tout, ou presque. Roman, j'ai utilisé pour consulter mes médias sociaux ou Internet pour obtenir des informations sur certaines nouvelles. Sophia X, je lis et j'écoute le journal tous les jours pour me faire ou pour connaître la situation globale, on pourrait dire. Victoria Possé, j'ai arrêté de regarder les informations tous les jours car elles sont très tristes et me baissent le moral. C'est Victoria Possé, j'ai des périodes comme ça aussi. Des périodes où on arrête de regarder les actualités et finalement, on se sent mieux,
on recommence, rien n'a changé, c'est toujours les mêmes choses. Mousta, oui, parce que les informations occupent une place très importante dans notre vie. On peut en bénéficier, et surtout les informations qui sont entrées dans notre cerveau. Equivanish qui nous dit « Je n'aime pas lire ou écouter les informations parce que je les trouve plusieurs fois déprimantes. » Et ça, c'est vrai. C'est vrai. On ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Non ! On parle uniquement des accidents. Tenzin, oui, je regarde tous les jours sur YouTube, j'écoute la radio et aussi je lis des livres en français. Beaker, je regarde Internet et sur YouTube généralement car c'est très facile et vite pour moi. Bourneville qui nous dit « Pas vraiment, je vois ce qui se passe sur Twitter, mais seulement parce que je suis curieuse. Allo Kaïsa, je regarde sur YouTube tous les jours pour améliorer mon français. Grâce à vous. » Oh, c'est très amusant, ben j'espère. J'espère. La vie est suffisamment triste. Nous devons nous amuser un petit peu quand même. Hein. Mélissa, bien sûr, je les regarde parce que je veux savoir ce qui se passe. Yossi qui dit, il y a beaucoup de chaînes de radio sur Internet. Ça, c'est pour Stardust et c'est vrai. Olga qui nous dit, pas toutes les nouvelles. Mai, j'écoute la musique tous les matins pour commencer le jour. Ah, on s'éloigne. On s'éloigne des actualités. Hein. Alors attendez, parce que je vois que Mélodie avait dit quoi. Ah non, Cassandra avait déjà dit, oui, je n'écoute pas les informations tous les jours parce qu'ils contiennent beaucoup de choses de mauvaises. J'écoute la musique classique en ligne sur YouTube. D'accord, merci. Allez, on va changer un petit peu. On a beaucoup, beaucoup parlé de femmes. À chaque fois que je présentais un personnage, en général, c'était une femme. Eh bien, nous allons changer un petit peu pour varier les plaisirs. Et nous avons à voir aujourd'hui l'homme du jour. Et l'homme du jour, eh bien, ça n'est pas quelqu'un qui est vraiment d'actualité. C'est Louis de Funès. Louis de Funès, je ne sais pas si vous le connaissez, eh bien, ce sera l'occasion de le découvrir ensemble. Louis de Funès, comme d'habitude, on va le présenter en trois points. Je vais lire le premier point, vous allez écrire les mots qui manquent. On y va. Louis de Funès est un acteur français né le 31 juillet 1914 à Courbevoie et mort le 27 janvier 1983 à Nantes. Je répète, Louis de Funès est un acteur français né le 31 juillet 1914 à Courbevoie et mort le 27 janvier 1983 à Nantes. Écrivez. Alors, c'est Ice Cube qui est la première, mais malheureusement, Ice Cube, parfois, la précipitation nous fait faire des erreurs. Ice Cube, malheureusement, regardez, ça n'est pas 1940, mais c'est 1914. Alors, c'est pas très grave. Bombville Lover a fait un petit peu la même erreur. Julia, la même erreur. Sandra Walsh, la même erreur. Alors, attention, hein. 4, 0, c'est 40. 1, 4, c'est 14. D'accord ? Et donc, ici, pour Louis de Funès, eh bien, c'était 1914. 1914, après, c'était 27. Là, il n'y a pas de problème. Et ensuite, c'était 1983. D'accord ? 1983. Allez, on continue avec la deuxième chose. Il a joué dans plus de 140 films. Il est l'un des acteurs comiques les plus célèbres du cinéma français de la seconde moitié du XXe siècle. Il a joué dans plus de 140 films. Il est l'un des acteurs comiques
les plus célèbres du cinéma français de la seconde moitié du XXe siècle. Allez-y. Ice Cubes, ça c'est de la provocation. Alors ça c'est de la provocation, Ice Cubes, parce que là c'est 140, c'est pas 114. Que se passe-t-il, Ice Cubes, avec 40 et 14? Donc ici c'était 140 film. Ensuite, la deuxième chose, c'est un adjectif. L'adjectif, c'est comique. Comme comique est bien connecté à acteur, il doit être au pluriel avec un S. Et puis après, c'était seconde. Seconde, oui, c'est très très bien. On prononce g, mais on écrit que. Hein. Seconde, mais en fait, on le prononce seconde. Et seconde doit être au féminin avec un E. À la fin. Oui, oui, oui. Bah, Ice Cubes qui rigole, mais bon, non. 40, 14, c'est pas les mêmes. Allez, on continue avec le numéro 3. Regardez le numéro 3, même chose, je vais lire deux fois. Très peu récompensé, il a quand même reçu un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 1980. Très peu récompensé, il a quand même reçu un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 1980. Alors, Gampat, I want to learn French, sir. Tomorrow, Gampat, at the same time, it will be in English. D'accord? This time, it's only in French, so it's more, it's for advanced students or people who want to learn French. D'accord? Alors, that's the reason why I only speak in French for this lesson. Allez, on regarde ensemble. Pour l'instant, c'est bien. Récompensé. Idéalement, si vous avez les accents sur le premier et sur le dernier, accent aigu. Ensuite, c'était reçu. Reçu, nous sommes d'accord que c'est le verbe recevoir. Recevoir au passé composé avec avoir. Il a reçu, participe passé. Donc, il a reçu, R-E-C-C-D-I-E. La cédille est très importante parce que c'est aussi dans mon nom de famille, le François. Le François. Ensuite, carrière, substantif. En général, ça n'est pas problématique. Attention, Hillary, regardez comment on l'écrit. C-A-R-R-I-E, accent grave, R-E. D'accord? Allez, on y va. Gampatlal, please, don't try too much. D'accord? We're doing some exercises right now, and it's only in French. So tomorrow you can come, and then after that we can see. And I'm not really giving any personal lessons. Sorry. Allez, on y va ensemble. Trois choses, vous allez les lire avec moi, s'il vous plaît. Première chose, Louis de Funès est un acteur français né le 31 juillet 1914 à Courbevoie est mort le 27 janvier 1983 à Nantes. Deuxième chose, il a joué dans plus de 140 films. Il est l'un des acteurs comiques les plus célèbres du cinéma français de la seconde moitié du XXe siècle. Troisième chose, très peu récompensé, il a quand même reçu un César d'honneur pour l'ensemble
de sa carrière en 1980. Et ben voilà, si vous avez la possibilité de regarder des films de Louis de Funès, ce sont des films, bon, assez drôles, mais surtout assez clairs, assez faciles à comprendre. Donc, je vous invite à les regarder. Et ça fait partie du patrimoine cinématographique français. Vous êtes 100, vous êtes 100. Si tout le monde clique, on arrive à 100 et après, je ne vous embêterai plus. Alors, le mot du jour, Yossi, est-ce qu'il est plus célèbre que Fernandel? C'est des registres assez différents, mais en général, Yossi, si on passe des films de Louis de Funès à la télévision ou des films de Fernandel, clairement les films de Louis de Funès auront plus de spectateurs. C'est juste, c'est une réalité. Le mot du jour, comme d'habitude, quel mot pourrait résumer votre journée? Un seul mot, s'il vous plaît. Un seul mot pour résumer votre journée. Un verbe, un adjectif, un substantif ou un adverbe. C'est comme vous voulez. Allez-y. Alors, Cosmina, comme d'habitude, hein, qui nous fait sortir le dictionnaire, ni tes sens. Julia, tortoise, est-ce que c'est une tortue, peut-être? Une tortue. Oh, c'est mignon, les tortues. Sauf certaines tortues qui font peur, mais en général, c'est vraiment mignon. Omar, télétravail. Vouslat, calme. Yessero, heureux. Eh ben, franchement, Yessero, je suis content pour vous. Vous êtes heureux et moi, ça me fait plaisir. Ice Cube, ce qui dit très paresseuse, ça arrive, c'est normal. Ekouvanisht, intéressante, ça c'est chouette. Bombil Lover, gaspillé. Ah, il y a des jours comme ça. On arrive, on regarde l'heure. Moi, j'ai pas de montre, mais on regarde l'heure, on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Rien. Sophia X, une enquête. Luciana, travail. Georges, normal. Bickert, ouh, migraine. Bickert, le. Est-ce que vous avez essayé le café? Le café, c'est bon pour lutter contre la migraine. Hilary Howell, contente. Ça, c'est formidable. Mélissa Madrid, détendue. Amy Gustave, extraordinaire. Oh, ah ben là, c'est difficile. Difficile à battre. Très difficile à battre. Stardust, bonheur. Victoria Possé, achat. Avec le masque, j'espère, hein, si vous allez dans les magasins. Melody Hall, fatiguée. Eh oui. Roman, travail et neige. Ça, c'est pas mal. Ça en fait deux. Allo Kaisa, spectaculaire. Waouh. Yossi qui nous dit des exercices. Monique, chocolat. Nariman, occupé. Et YCM, occupé aussi. Alors, Kaiden, lycée. Ça, c'est important. Est-ce qu'on met des masques? Vous mettez des masques au lycée, Kaiden? Je ne sais pas. Mercurialman, magnifique. Cassandra qui nous dit libre et relaxant. Oh, ben, ça, c'est sympa. Merci beaucoup. Je remarque, on est bloqué. Là, on est bloqué à 86 likes. Et c'est pas beaucoup. S'il vous plaît, faites-moi plaisir. Soyez gentil avec moi. Faites un petit login. Mettez-vous sur votre compte et cliquez sur like. Et ça me fera très plaisir. Merci beaucoup. Alors, le café du jour. Le café du jour, eh bien, c'est une nouvelle rubrique et j'aurai l'occasion dans cette rubrique de vous présenter différents cafés, peut-être à Paris ou dans d'autres villes de France. On va voir. On va commencer avec un grand, grand classique. Si vous êtes à Paris,
en général, vous avez probablement envie d'aller peut-être au café de Flore. Il faut y aller. C'est assez sympathique comme endroit. Et puis, vous n'êtes pas obligé de manger. Vous pouvez juste prendre un café et une petite pâtisserie. Il passe avec le chariot de pâtisserie. C'est formidable. Allez, on attaque avec la première chose. La première chose, eh bien, comme d'habitude, je vais le lire et vous allez écrire les mots qui manquent. Je vais le lire deux fois. Le café de Flore est un célèbre café-restaurant parisien du quartier Saint-Germain-des-Prés dans le 6e arrondissement. Le café de Flore est un célèbre café-restaurant parisien du quartier Saint-Germain-des-Prés dans le 6e arrondissement. Écrivez les mots qui manquent, merci. Alors, je vois que ça commence à arriver. Trois choses, comme d'habitude. La première chose, eh bien, c'est un adjectif. L'adjectif, c'est célèbre. Célèbre, si c'est au masculin ou au féminin, c'est la même chose. Donc, vous l'écrivez, c'est E accent aigu, L E accent grave, B R E célèbre. Deuxième chose, c'est un substantif. Quartier, souvenez-vous, on va l'écrire Q U. Hein, le U doit être là. Donc Q-U-A-R-T-I-E-R. Je regarde et c'est bien, quartier, pas de problème. Tout le monde l'a bien écrit. Et puis finalement, arrondissement. Oui, non, c'est bien écrit. N'oubliez pas deux R et deux S. A-R-R-O-N-D-I-S-S-E-M-E-N-T. Arrondissement. Allez, on continue avec la deuxième chose concernant le café de Flore. Il est situé au coin du boulevard Saint-Germain et de la rue Saint-Benoît, à côté de la station de métro Saint-Germain-des-Prés. Il est situé au coin du boulevard Saint-Germain et de la rue Saint-Benoît, à côté de la station de métro Saint-Germain-des-Prés. Écrivez les mots qui manquent, merci. Alors, je regarde, et apparemment, ça a l'air d'être très bien. Alors, attention, première chose, eh bien, situé doit être au masculin, puisque vous voyez que c'est il. Il est situé, donc S-I-T-U-E, accent aigu. Ensuite, c'est un substantif, c'est boulevard. En général, ce n'est pas très difficile, je regarde. Oui, non, ça a l'air bien, vous écrivez bien, boulevard, donc n'oubliez pas, B-O-U-L-E-V-A-R-D. Un boulevard, le D final n'est pas prononcé. Et puis finalement, côté, à côté de, côté, idéalement, deux accents, C-O, accent circonflexe, le fameux chapeau, et T, E, accent aigu, à côté. Allez, on continue. Troisième chose concernant le café de Flore. Ce café est un lieu historique du tout Paris littéraire, philosophique, culturel et artistique. Ce café est un lieu historique du tout Paris littéraire, philosophique, culturel et artistique.
Alors, je regarde, bizarrement, YouTube me lance un message en me disant qu'il n'y a pas une connexion. C'est mystérieux des fois. Si la connexion est bizarre, dites-le moi. Allez, on regarde trois choses comme d'habitude. La première chose, eh bien, c'est un substantif et c'est un lieu. Lieu, on l'écrit, oui, L-I-E-U. Victoria avait un doute, mais c'est bien. L-I-E-U, très bien écrit. Alors, pas Victoria Jacques, pas de pluriel. Hein, le X, c'est pour le pluriel, d'accord? Mais donc, singulier, juste L-I-E-U. Après ça, vous avez deux adjectifs. Le premier, c'est l'adjectif philosophique. Philosophique, eh bien, regardez, souvenez-vous, Yann, que philosophique, hein, les mots en ic, exception publique. Les autres, c'est I-Q-U-E. D'accord ? Donc philosophique, P-H-I-L-O-S-O-P-H-I-Q-U-E. Et puis la dernière chose, c'était artistique, même concept, Q-U-E à la fin, masculin ou féminin. Philosophique ou artistique, ce sera la même chose au masculin ou au féminin. Allez, on regarde ensemble les trois choses pour le café de Flore. S'il vous plaît, faites la lecture avec moi. Mais bien sûr, avant de lire avec moi, si vous n'avez pas cliqué, c'est l'occasion. Ah, je vends le clic. Je veux du like, s'il vous plaît. Idéalement 100. On y arrive, on va les faire. On va les faire, je suis optimiste. Première chose. Le café de Flore est un célèbre café-restaurant parisien du quartier Saint-Germain-des-Prés dans le 6e arrondissement. Deuxième chose, il est situé au coin du boulevard Saint-Germain et de la rue Saint-Benoît, à côté de la station de métro Saint-Germain-des-Prés. Troisième chose, oh ça fait quatre! Troisième chose, ce café est un lieu historique du tout Paris littéraire, philosophique, culturel et artistique. Voilà. Si vous avez l'occasion, allez au café de Flore. En général, il y a beaucoup de monde. Soyez patient. Allez-y le matin, peut-être. Si vous y allez à midi ou aux heures des repas, c'est pas bon, il y a trop de monde. Allez, la dictée du jour, eh bien la dictée du jour, elle arrive, comme d'habitude, on aura des phrases, je vais les lire, vous allez les écrire. On attaque avec la première, et la première, la voici. Je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter de cela. Je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter de cela. Écrivez la phrase, s'il vous plaît. Alors, nous pouvons remarquer que là, c'est incroyable. Ah ben, parce que Cosmina, elle a la 5G et en Roumanie, choup, ça arrive comme ça. C'est incroyable. Bravo Cosmina, vous êtes la première. Et en plus, vous avez très très bien écrit notre subjonctif parce que bien sûr, j'avais envie de glisser un petit subjonctif. Je ne pense pas que... Après, vous allez mettre un subjonctif. Et donc, le verbe, c'est « falloir ». « Falloir » au subjonctif, « il faille ». Yeah, 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 yeah. « Il faille ». « Je ne pense pas qu'il faille ». Infinitif « s'inquiéter de cela ». En général, on va utiliser « ça ».
D'accord. Mais vous pouvez parfois entendre cela. Donc, c'est toujours bien d'avoir l'habitude d'entendre les deux formes. D'accord. Cela est bien sûr un petit peu plus correct et standard. Ça est un petit peu plus parlé. Je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter infinitif de cela. Allez, on continue avec la deuxième phrase. Regardez la deuxième phrase, eh bien, la voici, la voilà. Il me semble important de pouvoir parler de tout. Fait référence à une conversation téléphonique aujourd'hui. Il me semble important de pouvoir parler de tout. Ça, c'est fondamental dans la vie. Alors, Amy Gustave, c'est-à-dire quoi en anglais? I don't speak English in that lesson, Amy Gustave. Tomorrow, at the same time, it will be in English. So, no problem about that. Just keep that in mind. I will put the links right after the lesson. Tomorrow, at the same time, same place, it will be in English. Alors, ici, encore une fois, regardez, j'avais envie d'avoir une petite structure intéressante. Il me semble important de, et là, bien sûr, un infinitif, pouvoir parler de tout. Comme vous voyez, en fait, on a trois verbes. Trois verbes dans la phrase, ça, je suis persuadé que ça ferait plaisir à Julia. Julia aime bien mettre beaucoup de verbes dans les phrases, j'avais remarqué. Là, il y en a trois. Pour une phrase assez courte, c'est pas mal. Allez, la troisième, la voici, la voilà. Elle est un petit peu plus longue, celle-là. Si elle était allée voir un spécialiste avant, virgule, elle aurait pu éviter d'avoir des problèmes. Je répète. Si elle était allée voir un spécialiste avant, virgule, elle aurait pu éviter d'avoir des problèmes. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, je dois dire bravo, Cosmina, encore une fois, elle est en première position. Si elle était allée voir un spécialiste avant, elle aurait pu éviter d'avoir des problèmes. Eh bien oui, regardons cette structure. La structure est intéressante. La première partie, comme vous le voyez, est construite avec « si ».« Si » est un « plus que parfait ».« Était allé ».« Si » plus que parfait ». Deuxième partie de la phrase sera automatiquement au conditionnel passé. Le conditionnel passé du verbe pouvoir, eh bien, c'est aurait pu. Donc, nous respectons la logique. Si plus que parfait, virgule, conditionnel passé, si elle était allée voir un spécialiste avant, virgule. Conditionnel passé, elle aurait pu éviter d'avoir des problèmes. Là encore, beaucoup de verbes, hein, beaucoup de verbes dans une phrase qui n'est pas très 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 longue. Allez, on continue avec le quatrième phrase. J'espère que vous êtes prêts. C'est la dernière. Je souhaite que l'inauguration se passe tranquillement aujourd'hui. Je souhaite que l'inauguration se passe tranquillement
Aujourd'hui, écrivez la phrase. Alors, je vois que c'est la bataille. Hein. C'est la bataille entre Sherilyn et Cosmina, mais c'est Cosmina qui est en première position. Yesero est juste après Sherilyn. Yossi ne lâche pas la main. Cosmina avait fait une erreur. Est-ce que ça veut dire que ça remet en question sa première place? C'est possible. Alors, on y va avec la phrase. Première partie, je souhaite que... D'accord, verbe régulier, souhaiter, pas de problème. Ensuite, regardez, l'inauguration, alors ça, ce n'est pas très 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 difficile en fait, se passe, verbe pronominal, donc se passe, et puis tranquillement, eh bien, c'est un adverbe. Adverbe tranquillement, basé sur l'adjectif tranquille. Aujourd'hui, vous l'écrivez, n'oubliez pas, avec d'apostrophe H. Mes sous-boys, professeur Vincent, je viens auprès de vous à travers ce message pour vous signaler que mes cotes, du coup, manquent encore sur la totalité de mes cotes, et ça fait au moins 6 fois déjà. Je ne comprends pas, mes sous-boys. Expliquez-moi, j'ai du mal à comprendre. Je ne suis pas sûr. Alors, s'il vous plaît, encore un clic. Un seul clic et nous pourrons atteindre les 100 likes. Ce serait formidable. Alors là, je serais très très heureux. Alors, le paysage du jour, hein, peut-être que ça pourra attirer le dernier clic qui nous manque. Le paysage du jour, regardez, nous allons partir dans le département de l'Eure-et-Loir. Vous voyez la magnifique flèche rouge et nous allons découvrir, eh bien, ce monument incroyable et magnifique. C'est la cathédrale de Chartres. Chartres, c'est une ville qui n'est pas très très loin de Paris, à peu près à 100 km, et il y a une magnifique cathédrale. S'il vous plaît, une phrase, et je crois que... Voilà, ça y est, mon ego a été flatté, je suis un homme heureux, je suis bien maintenant, relaxé, nous pouvons continuer notre cours. Une phrase s'il vous plaît. Alors, c'est Paula qui démarre directement avec du français familier. Et elle a raison, Paula. Il faut dire que, effectivement, cette cathédrale est chamée. Avec le chamé au féminin, je dis bravo, Paula. C'est très bien écrit. Chrismo qui nous dit waouh, Chartres est très belle. Bonjour, Megna. Écrivez une phrase, s'il vous plaît, pour nous décrire la cathédrale de Chartres. Sophia X, le style de cette, attention féminin, cathédrale est très impressionnant. Ecouvaniche, cette cathédrale est impressionnante. Allo Kaïsa, cette cathédrale semble très préhistorique. Alors attention Allo Kaïsa. Préhistorique, c'est la période des dinosaures. Et pendant la période des dinosaures, il n'y avait pas de cathédrale. Ou peut-être, je ne sais pas, je n'étais pas là.
Ensuite, Beaker, je vois une cathédrale qui est extraordinaire. Stardust, un magnifique bâtiment gothique qui impressionne par ses éléments en filigrane dans le style architectural très bien écrit avec un doigt. On doit féliciter Stardust. Les longues phrases qu'elle écrit, c'est avec un doigt. Bravo. Hillary, la cathédrale a beaucoup de belles fenêtres. Yesero, on dirait un lieu où on peut se rafraîchir spirituellement. Et également, Yesero, si vous visitez la France en été, si il fait très chaud, vous avez deux solutions en général pour avoir frais. Les musées, parce qu'il y a la climatisation, ou les églises, parce qu'en général, c'est frais dans les églises. Julia, la cathédrale, porte son nom après Jean-Paul Chartres. Elle est bonne, celle-là. Non, c'était Jean-Paul Sartre. Alors là, merci Julia. Je dois dire, bravo. Une très bonne blague. Yossi, cette cathédrale est très impressionnante et belle. Vouslat, la cathédrale de Chartres est très impressionnante. Cosmina Bellou, alors, ce qui a été bâti avant la Révolution, c'est pour l'éternité. Et fait partie de la beauté de la France. Romande, il semble que ce soit une cathédrale très ancienne et ancienne. Omar, les cathédrales sont des monuments impressionnants, mais bien plus que ça. Ou rien de plus de ça. Messouboy, je viens auprès de vous. Alors Messouboy, il faudra m'envoyer des... D'accord. Ah, je n'ai plus les contacts de Métropolia, monsieur Messouboy. Il faudra m'envoyer un message personnel. Mais pas sur l'email de là. Monique, la cathédrale est magnifique. Mélodie, la cathédrale est très vieille, mais très belle. Alors attendez, je regarde Stardust qui sourit. Ça doit être pour le doigt. Equivanish, cette cathédrale ne semble pas gothique, je pense. Bah si, un petit peu quand même. Olga, cette cathédrale est extraordinaire. Mélissa Madrid, je me demande quel style de cathédrale a-t-elle. C'est plutôt gothique. Voilà. Mais la meilleure, c'était quand même Julia. Jean-Paul Chartres, merci. Alors bien sûr, hein, vous pouvez cliquer, mais là c'est juste pour le plaisir, parce que j'ai dépassé ma limite de 100. Attention, on y va. Bah oui, Ice Cube qui nous parle de la cathédrale, mais elle est un petit peu en retard. Et surtout, Ice Cube, c'est un petit peu son domaine. Ice Cube, ce qu'il nous dit, c'est une belle cathédrale, bien sûr, mais ce n'est pas très connu comme les autres monuments. Alors attendez. On va commencer avec, eh bien, les rébus du jour. Nous avions démarré avec les rébus. Souvenez-vous, qu'est-ce que c'est finalement ? L'idée, c'est assez... C'est simple. L'idée, regardez, c'est d'avoir une suite de dessins. Et finalement, ces dessins vont vous faire deviner un mot ou une phrase. Là, on va se limiter à des mots. D'accord ? L'exemple que j'avais donné la dernière fois, c'était ça. Finalement, nous avons deux images et nous avons un T entre les deux. Et donc, nous cherchons un mot. L'idée du rébus, ça va être de se dire que la première image, c'est un dé, après vous avez le T, et après vous avez de l'ail. Vous combinez tout ça, dé, T, ail, et vous obtenez un nouveau mot, un détail. D'accord ? Donc ça, on avait vu comment ça fonctionnait. On continue maintenant. Alors, premier, regardez. Qu'est-ce que c'est ? Oh là là, j'ai l'impression que c'est difficile. Thank you.
voir Yulia qui est très courageuse et qui nous dit pied sous doigt. Ce qui est un nouveau mot. Un nouveau mot, c'est la possibilité de construire des mots ensemble. Alors malheureusement non, le mot pied sous doigt n'existe pas encore. Alors Yesero n'a pas trouvé, Amy qui dit non. Alors bon, c'est pas grave, ça n'est pas grave. Marche, mousse, doigt, tout le monde. Alors regardez, la première chose, eh bien c'était des pas. La deuxième chose, c'est un rat. La troisième chose, c'est deux. Essayez de combiner les trois. Pas, rat, deux. Eh bien, regardez, vous obtenez le mot parade. Une parade. Souvenez-vous, les rébus, c'est toujours approximatif pour certaines sonorités. Parade. Hein, ça n'est pas parade, bien sûr. Attention, deuxième. On y va, allez-y. Alors Stardust, c'est dur. Oui, je sais, mais bon, c'est pas très grave. Vous pouvez découvrir les mots. C'est pas tellement ça l'idée. Hein. L'idée, c'est juste de découvrir des mots. Ah ah ah, Skate Crisis. Mon ami Laurent nous rejoint. Souvenez-vous, un homme qui n'a jamais peur de se blesser pour satisfaire ses abonnés, pour montrer comment il fait bien du skate. Et bientôt, il va partir en Laponie, le beau Laurent. On lui souhaite un bon voyage. Alors, regardez, le premier, c'est un rat, encore une fois. Maintenant, on va devenir spécialiste avec le rat. Le deuxième, eh bien, c'est un oiseau. Et cet oiseau, ça s'appelle une pie. Et encore une fois, le deuxième, c'est deux. Deux, souvenez-vous qu'on va l'utiliser pour deux. Et donc, rapide, ça va faire rapide. Rapide, c'était le deuxième. On attaque. Est-ce que Laurent pourra réussir? Attention, Laurent, essaye de trouver celui-là. Le troisième, Laurent, c'est toi qui dois le trouver. On y va. Et oui, c'est Hillary. Hillary, j'ai dit bravo. Hillary, elle était plus rapide que Laurent. Bouh, Laurent, mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Il doit avoir ses gants. Il ne peut pas taper aussi rapidement que ça. Nous sommes d'accord. Encore une fois, maintenant, on va connaître l'animal. C'est l'oiseau, c'est une pie. On a encore notre ami le rat. Et après, pirate. Effectivement, un pirate. Voilà. Allez, quatrième, on continue. Souvenez-vous. Effectivement, rapide comme l'éclair, reste modeste. Et voilà, c'est Cherylyn. Cherylyn, vous savez, elle est très très loin. C'est la nuit pour elle et pourtant elle est très efficace. Elle a trouvé, ben effectivement, tout à l'heure nous avions les pas. Les pas, si vous marchez dans la neige, les pas dans la neige, pas et ensuite ri, on l'avait déjà la dernière fois. Pas et ri, eh ben ça fait Paris. Allez, le dernier, j'espère que vous êtes prêts. On va voir qui va trouver ça en premier. Joseph, chaussures et glace. Alors oui, mais ça n'est pas un mot, Joseph.
Oh là là, ça y est, Sherilyn, on ne peut plus l'arrêter. On ne peut plus arrêter Sherilyn. Amy est juste après. Mélissa, oui. Eh ben voilà, apparemment, vous avez trouvé. Faites attention. Donc, pas, ça c'est clair, on l'avait déjà. Ra, ça c'est clair aussi. Souvenez-vous, 10, on peut le prononcer 10, mais quand on va utiliser quelque chose après, on va le prononcer 10. Hein, j'ai pris 10 paquets de quelque chose. Paradis. Eh ben voilà, c'est le paradis. Merci beaucoup, c'était vraiment sympa. On continue, n'oubliez pas de cliquer sur like si vous venez juste d'arriver. Alors, la photo du jour, et ça n'est pas la photo de Laurent, hein, mais une photo qui est un petit peu comme ce que notre ami Laurent va découvrir bientôt. Laurent part samedi. Alors, Amy qui dit « Secours est très amusant, merci Vincent ». On essaye d'être amusant tous les jours, Amy. C'est tous les jours qu'on essaye de s'amuser. Une petite phrase pour décrire, s'il vous plaît. Georges qui nous dit « J'avais beaucoup d'accidents en faisant ce sport ». Yessero qui nous dit « Elles s'amusent en marchant dans la neige. Elles ont de la chance ». Oui, elles font du ski, Yessero. Hein. Bon, c'est une forme de marche avec des choses. Paula qui nous dit « Ça caille ». Ah, vous n'avez pas utilisé chamé. Voilà, on avait vu chamé, mais caille, c'est bien. Alors, vivement la Laponie et ses espaces, nous dit Skate Crisis, alias Laurent. Ben oui, 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 il va bien s'amuser, le coquin. Yossi, deux hommes sur la piste de neige. Victoria Jacques, les gens skient à travers les Alpes françaises. Roman qui nous dit, je suppose que c'est l'hiver de la Suède, car ici, c'est toujours comme ça. Oh, il n'y a pas que la Suède. Il n'y a pas que la Suède. Bickert, un beau paysage. Il y a de la neige partout et ils font du ski. Chris Mo. Ah, Chris Mo a effacé son message. Bonville Lover. Les deux personnes randonnent. Hein, c'est pas pronominal. Beaucoup, dans beaucoup de neige, près d'une grande forêt. Ice Cube, ce qui nous dit, c'est une belle photo d'hiver. Les amis marchent dans une forêt. Julia, Laurent à la recherche des lapins. Au Lapini. Mais non, Laponie. Lapini, c'est un petit peu comme Jean-Paul Chartres tout à l'heure. Hein. Et Kouvanich, il s'amuse se promenant dans la neige. Hillary qui dit, ça ressemble à mon quartier. Très bien. Est-ce que c'est vous qui déneigez? J'espère que non, parce que c'est terrible à faire. Allez, merci beaucoup. Voilà, aujourd'hui, j'ai envie de finir ce que j'ai préparé. Donc, on aurait dû finir, mais on continue parce que j'ai envie de faire tout ce que j'avais préparé. Aujourd'hui, c'est l'événement du jour. L'événement du jour, on n'avait jamais fait ça encore. On va prendre un grand classique, c'est le 14 juillet 1789. Comme d'habitude, je vais vous le présenter en trois points et il manque bien sûr quelques mots. S'il vous plaît, écrivez les mots. Allez, on attaque avec le premier. La prise de la Bastille du mardi 14 juillet 1789 est l'un des événements emblématiques de la Révolution française. La prise de la Bastille du mardi 14 juillet 1789 est l'un des événements emblématiques de la Révolution française.
Allez, allo Kaïsa qui nous quitte, au revoir et bonne soirée à vous. On regarde les trois choses que nous cherchions. La première chose, eh bien, c'est prise. Prise est un substantif et on l'écrit P-R-I-S-E, c'est féminin. Une prise, la prise. Donc c'est le fait de prendre, hein. On est d'accord que c'est directement lié au verbe prendre. Deuxième chose, c'est événement. Événement doit être au pluriel, accent aigu, événement avec le S à la fin. Et puis la dernière chose, eh bien, c'est révolution. Quand on parle de la révolution française, on va mettre une majuscule à révolution, donc R majuscule, E accent aigu, V-O-L-U-T-I-O-N. Deuxième chose concernant le 14 juillet 1789. Si son importance est relative sur le plan militaire, l'événement est sans précédent par ses répercussions politiques et symboliques. Si son importance est relative sur le plan militaire, l'événement est sans précédent par ses répercussions politiques et symboliques. Alors là, je vois que Paula, elle est très très en forme, hein, parce que là, c'est direct. Hein. Paula, ça arrive très vite, et je dois dire que c'est magnifique. Regardez, première chose, c'est importance. Importance, eh bien, faites attention, c'est un mot féminin, une importance. Mais comme il commence avec une voyelle, on va, comme d'habitude, utiliser les possessifs masculins. Son importance. I-M-P-O-R-T-A-N-C-E. En général, il n'y a pas de problème. Non, je regarde et c'est très très bien écrit. Félicitations. Deuxième chose, répercussion. Ici, ça doit être au pluriel. Répercussion, accent aigu sur le premier E. D'accord. Ré-per, P-E-R. Ensuite, cution, C-U-S-S-I-O-N-S. Et puis la dernière chose, adjectif symbolique. Souvenez-vous, les adjectifs en ic, à l'exception de public, seront écrits I-Q-U-E, masculin ou féminin. Et ici, c'est pluriel, donc avec un S à la fin. Et souvenez-vous que symbolique, on l'écrit la nasale Y-M. Un symbolique. Allez, troisième chose. Et ce sera la dernière chose pour présenter le 14 juillet. La reddition de la Bastille fait l'effet d'un séisme en France, comme en Europe et jusqu'en Russie impériale. La reddition de la Bastille fait l'effet d'un séisme en France, comme en Europe, et jusqu'en Russie impériale. Allez-y. Alors là encore, trois choses à trouver. La première chose, c'est effet. Hein. Le substantif effet, c'est masculin pour votre information. On l'écrit E-F-F-E-T.
Nous sommes d'accord. Deuxième chose, deuxième substantif, c'est isme, S-E accent aigu, I-S-M-E. Si vous avez l'accent aigu, ce serait idéal. Et puis, la dernière chose, alors je vois que c'était un petit peu olé olé pour certaines personnes. Ici, en fait, on a deux choses. La première chose, c'est jusque, et après, en. Pourquoi en? Eh bien, tout simplement parce qu'on utilise la préposition en quand on parle des pays qui sont féminins. Russie, c'est féminin. On aurait pu dire jusqu'en Espagne. On aurait pu dire jusqu'en Roumanie. On aurait pu dire jusqu'en France, jusqu'en Italie, etc. Tous les pays féminins, souvenez-vous, sont introduits par en comme préposition. Donc ici, jusqu'en. Jusqu'en. Allez, on va lire ensemble et j'espère que vous allez lire avec moi les trois choses. Première chose, la prise de la Bastille du mardi 14 juillet 1799 est l'un des événements emblématiques de la Révolution française. Si son importance est relative sur le plan militaire, l'événement est sans précédent par ses répercussions politiques et symboliques. Troisième chose, la reddition de la Bastille fait l'effet d'un séisme en France comme en Europe et jusqu'en Russie impériale. Alors, la chose qui suit, et on va finir avec ça ensemble. Je m'étais dit que finalement, ce serait intéressant d'adapter le concept des rébus que nous avons fait juste avant, c'est-à-dire avec les images, mais de l'adapter finalement à l'idée d'avoir quelque chose de bilingue. Et donc, notre langue de référence, en général, c'est l'anglais pour ce type d'exercice. Donc, nous allons faire des rébus bilingues. Le premier, eh bien, le voici. Regardez, vous avez en bleu, skin, if et blue. Si vous faites la traduction, que vous combinez, comme nous l'avons fait tout à l'heure, quel mot pouvez-vous obtenir? Allez-y. Alors, Amy, oui, B1, B2. B1, B2, clairement, oui, parce que je parle totalement normalement et les dictées, c'était plutôt du B2, B1, B2, oui. Et c'est Cosmina. Cosmina est revenue dans la course, je dis bravo. Effectivement, skin c'est peau, if c'est si, et blue c'est bleu. Alors encore une fois, bien sûr, on adapte un petit peu et on obtient, quand on combine tout, possible. Très bien, c'est possible. Vous avez compris le concept. Regardez, j'en ai encore. Deuxième, on attaque, c'est à vous. Alors, cette fois-ci, c'est Paola. Paola, je dis bravo, bravo, bravo. Apparemment, vous êtes la seule. Les autres cherchent encore. Effectivement, deux. Après, eh bien, c'est le verbe mentir, mais donc c'est la forme ment.
Et puis après, eh ben, c'est un dé. On avait déjà vu le dé avec le dessin quand on joue avec un dé. Demander, c'est le verbe demander. Je dis bravo, les autres commencent à trouver. Allez, on continue. Numéro 3. Regardez le numéro 3. Alors, Georges et Cyril, oui. Alors, quand j'ai préparé, j'avais un doute parce que je me suis dit que paix et paix, c'était un petit peu loin. Donc, si vous préférez, vous mettez effectivement, vous mettez paix, participer, ça pourrait être l'infinitif. Je pensais que participer, phonétiquement, c'était plus près l'imparfait. Hein, l'imparfait, A-I-S, ça pourrait être A-I-T ou ça pourrait être A-I-E-N-T. Donc, participer, oui, hein, on peut l'accepter, bien sûr, mais ça peut être aussi la forme participer à l'imparfait. Allez, on continue avec le quatrième. Regardez le quatrième. Eh bien oui, nous avons des spécialistes ici. Alors effectivement, hein, donc deviner, donc là on peut le combiner comme deviner, on peut mettre effectivement Georges, hein, propose deviner EZ, c'est parfait aussi, c'est un exercice phonétique, il n'y a pas de problème. Donc infinitif ou la forme vous, nous sommes d'accord qu'il n'y a aucun problème. Attention, Romane, c'était dans l'autre sens. Deviner. Devinez. Allez, ça, ce sera le dernier. Nous allons voir qui sera le premier à trouver le mot mystère. On y va. Alors, je dois dire que c'est Cheryline. Cheryline, Cheryline, elle est dans une forme incroyable. Comme tout à l'heure, hein, on est très tolérant. Soit, effectivement, c'est arrivé l'infinitif. Personnellement, j'ai proposé l'imparfait, arrivait, A-I-S, arrivait, A-I-T ou arrivait, A-I-E-N-T. Joseph propose arriver, E-Z. Pas de problème, nous sommes d'accord que avec ce type d'exercice, on est très tolérant. Arrivé ER, arrivé EZ, arrivé AIS, arrivé AIT, arrivé AIENT, tout ça, c'est possible. C'est toujours possible de cliquer sur like juste avant la fin. C'est un petit peu comme si vous me disiez merci, on a passé un moment sympathique ensemble. Parce que c'est le cas pour moi en tout cas. J'ai vraiment aimé ce cours avec vous. Je trouve qu'on s'est bien amusé. Et surtout, je garderai en tête Jean-Paul Chartres. C'était la petite lumière de ma journée. Merci beaucoup. Rendez-vous
rendez-vous demain, si vous voulez, ce sera en anglais. Passez une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit. Au revoir.